Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour. Alors, une première question pour commencer. Le sommet Russie-Afrique, la deuxième édition de ce sommet vient de se terminer. Quel bilan tirez-vous de ces 2 jours de rencontres, de forums? D'accord, bonjour et merci pour l'opportunité de nous exprimer donc à partir d'ici. Nous sommes venus donc dans ce forum qui hier a connu son épilogue. Et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits. Le bilan est assez positif parce qu'il s'agissait de voir donc les perspectives pour ce qui concerne nos États et ce qui concerne aussi nos relations avec la Fédération de Russie. Donc on a épluché assez de domaines et il y a de bonnes perspectives. Alors, vous avez pu rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, en format bilatéral. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? En format bilatéral, il s'agissait de discuter de nos problèmes particuliers, notamment des questions de sécurité, défense, mais aussi des questions économiques parce que ça va ensemble. L'économie, le développement, les infrastructures, ça va ensemble avec les questions sécuritaires. Donc c'est en gros, c'est ce que vous voulez qu'on a évoqué. Quelques résultats concrets dont vous pouvez nous parler? Le résultat concret, c'est que le plus urgent pour nous, c'est la question d'équipement militaire. Donc c'est sur ça que nous sommes. Donc, dans les jours à venir, on espère pouvoir commencer les opérations. Voilà, D'accord. d'acquisition et tout. Alors, on va reparler de ce domaine-là un petit peu plus tard, mais j'aimerais vous poser la question. Alors, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que le peuple burkinabé soutenait l'opération militaire spéciale de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, c'est un droit du peuple d'exprimer une opinion. Donc la grande majorité, je l'ai dit, voilà, soutient. Mais il ne s'agit pas de se cantonner sur ça parce que toute guerre est mauvaise. Il n'y a pas de bonne guerre. Tant que des gens meurent, c'est pas bien. Même nous, on a l'art de le dire souvent que même les terroristes qui nous attaquent, on souhaite qu'ils déposent les armes et qu'ils reviennent à la raison parce que ce sont des jeunes gens qu'on tue. Mais s'ils ne veulent pas les déposer, on n'a pas le choix, il faut le combattre. Mais nous avons aussi un sentiment parce que le peuple burkinabé souffre assez depuis maintenant 8 ans. Les gens meurent tous les jours. Mais depuis notre action, on peut vous dire que nous sommes beaucoup déçus aussi du comportement de certaines personnes. Et ce qui nous donne un sentiment un peu mitigé en fait. Voilà. En termes d'équipement, voilà, on n'arrive pas. Certains pays nous ont carrément fermés et nous ont bloqués et tout. Donc c'est un sentiment quand même de désolation et de voir que de l'autre côté, on donne assez d'équipements qui malheureusement se retrouvent sur le terrain. Alors, déçu de la part de certains de vos partenaires ou anciens partenaires? Oui, certains de nos anciens partenaires, il faut le dire clairement, nous sommes beaucoup déçus qu'on ne puisse pas nous donner ne serait-ce qu'une cartouche et que on peut soutenir d'autres États qui se battent aussi pour la souveraineté. Pourquoi nous, on ne peut pas nous soutenir? Mais ce que je dis, ce qui est dommageable, c'est que ces équipements se retrouvent sur notre sol avec les terroristes aussi, on ne sait pas comment. Donc, il serait souhaitable que ça s'arrête tout de suite. Hier, au cours du sommet, la plupart des États africains en ont parlé pour qu'on trouve une solution de négociation. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a aucune volonté de négocier d'une partie. Donc, ça devient compliqué. Bien sûr. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu plus tard sur la composante militaire, mais j'aimerais avoir d'abord votre avis sur, de façon générale, sur l'état actuel des relations entre le Burkina Faso et la Russie. Quelles sont-elles? Alors, il faut dire que les relations sont en train de se relancer. Ce sont des relations, comme on l'a dit, depuis 92, l'ambassade était fermée. Actuellement, donc, il y a des agréments. C'est OK, on va réouvrir. Les diplomates sont déjà en contact et les relations commerciales doivent reprendre de bon train, en termes d'industrie et tout. Voilà, on a discuté de beaucoup de choses dans nos relations, les échanges commerciaux et tout. Alors, par exemple, qu'est-ce que on parlait d'industrie dans quel domaine? Dans plusieurs domaines, hein, l'agroalimentaire, on en a parlé. Voilà, l'industrie minière, on en a parlé. Les infrastructures, beaucoup de choses à construire, et voilà. Alors, vous avez d'ailleurs qualifié la Russie de partenaire, de pays partenaire du Burkina Faso. Comment, alors, vous avez parlé de ces perspectives, mais comment cela peut-il se traduire concrètement? Le partenariat avec la Russie, c'est d'abord stratégique. Et concrètement, ce qui nous touche, c'est aussi la rapidité de réaction.
D'abord, il faut reconnaître que la Russie se préoccupe de la situation humanitaire au Burkina. Il faut le dire. Elle a été l'un des États à nous envoyer à manger à nos déplacés internes. Voilà. Et ils ont annoncé encore hier qu'ils vont envoyer aux déplacés. C'est très bien que des gens se soucient, mais c'est pas tous les pays qui se soucient d'abord de nos populations. Et en plus de tout ça, en question de développement, il y a beaucoup d'accords qui sont en cours, beaucoup de mémorandums d'entente sont en train d'être signés et on espère recevoir bientôt les investisseurs russes et voilà, les opérateurs économiques pour que les flux économiques puissent être plus rentables pour nous tous. Plus soutenu. Voilà. Et vous l'avez dit, la composante diplomatique est importante aussi. Le fait de rouvrir l'ambassade fera que les échanges seront simplifiés entre les deux pays. Bien sûr, c'est très important. Du moment que déjà on a beaucoup de compatriotes, la Russie compte augmenter le nombre de bourses dans divers domaines technologiques, scientifiques, dans les universités. Les stagiaires burkinabés, il y en a déjà et le nombre va augmenter. Donc, il faut forcément une présence diplomatique pour gérer tous les aspects administratifs et renforcer la coopération qui existe entre nous. Coopération tous azimuts, dans tous les domaines. Bien sûr, tous les domaines possibles, on est ouvert dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a certains domaines spécifiques où la Russie a peut-être eu une expertise, où vous avez davantage d'attentes? Alors, nous avons tout de suite parlé de la question de défense et de sécurité, c'est notre priorité numéro un. Après cela, on peut parler donc d'énergie, et on attend beaucoup de la Russie, parce que vous êtes ici, la Russie est spécialiste dans un type d'énergie donnée, qui pourrait être très bénéfique pour nous et pour toute la sous-région, en fait, pour l'indépendance énergétique, parce que c'est à partir de l'énergie que les industries ont pu le développer. On a beau vouloir installer des usines et tout, si on n'a pas d'énergie, c'est compliqué. Bien sûr. Donc, on est parti sur cette base, il y a les infrastructures, les produits pétroliers et tout. Donc, il y a quand même assez de potentiel. Du même aussi, nous avons assez de choses à partager avec la Russie dans le domaine agricole, assez de produits tropicaux dont la Russie en a besoin. Donc, voilà. Exporter vers la Pour Russie. exporter vers la Russie, transformer sur place avec des industries et exporter. Alors, vous parlez la composante de l'énergie, en effet, très importante. Plus de l'extraction des matières premières, comme des hydrocarbures, ou bien la production d'électricité? Alors, la production d'électricité est très importante pour nous. C'est ce que je disais. La Russie a des hydrocarbures à exporter vers nous. Que ce soit tous les produits dérivés et surtout le bitume pour nos routes. Parce que Pour on les a très infrastructures. peu de routes, les infrastructures routières, on en a besoin. Les rails pour le train et tout, on en a discuté. Donc, ce sont des priorités pour nous. Il va falloir qu'on puisse rapidement monter d'un cran sur ces domaines-là. C'est ce qui permet déjà à l'économie interne de pouvoir voilà, bien se comporter. Et la composante électrique, alors quel type d'installation pourrait être accueillie au Burkina Faso? Nous avons souhaité même si c'est une petite centrale nucléaire, qui puisse produire vraiment de l'énergie en quantité. Parce que comme je disais, c'est pas le Burkina seul qui va en bénéficier. La sous-région, on connaît un peu nos difficultés en termes d'électricité. Tout le monde en aura besoin. Donc, je pense que nous, on est un peu au cœur. Et il y a beaucoup de pays autour qui pourront en bénéficier. Donc, l'électricité, c'est très important. Et donc, vous avez eu des premiers contacts avec Rosatom, par exemple, l'énergie russe, Si le fournisseur? les ministres en question vont changer, il y a un groupe de travail qui sera mis en place donc pour gérer tous ces aspects dans la globalité, en fait. Voilà. Alors maintenant, pour évoquer un petit peu la situation sécuritaire dans votre pays, quand on écoute les médias occidentaux, et notamment les médias français, l'image de l'armée burkinabée n'est pas forcément reluisante. On l'accuse de crimes de toutes sortes. Pourquoi cette image, d'après vous? Non, c'est logique, les médias font leur guerre aussi, au profit donc, c'est logique chez eux, mais nous déplorons cela. Qui a déstructuré nos armées? C'est ça. On a dénoncé le fait d'avoir imposé aux États le programme d'ajustement structurel. Les budgets des armées ont été carrément réduits à zéro. Ouais. On a tout perdu, en fait. On n'avait plus d'armée. Ils ont préparé 2 décennies plus tard, donc, ces événements qu'on vit aujourd'hui. Mais le terrorisme est là et c'est les mêmes qui chantent qu'on n'a pas d'armée. Mais pendant ce temps, ils étaient où? Donc, aujourd'hui, nous voulons reconstruire une armée pour faire face. On est dans cette phase. On reconnaît que c'était un peu compliqué. Parce que c'était désorganisé, mais nous savons ce que nous faisons et on peut dire qu'on est en train de monter en puissance parce que le fait de s'organiser déjà, avoir des unités organiques, pouvoir faire face à la menace grandissante, je pense que c'est bien. Le reste, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent parce que c'est une guerre aussi de communication.
quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème, hein. On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout des droits de l'homme et tout. C'est leur guerre à eux. Alors justement, cette guerre de communication, quel impact a-t-elle sur l'opinion publique burkinabé, sur la population? Je pense que la population, la majorité, la masse populaire, comme j'ai dit, peut comprendre facilement. Parce que eux, ils souffrent beaucoup de ça. Mais il faut reconnaître aussi que la colonisation a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de gens aussi chez nous, que nous appelons des valets locaux, qui aussi se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là, pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. On a ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc le maître, se comportent en esclave. C'est-à-dire en interne, au sein même du pays. Bien sûr, bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donne un point de vue alternatif? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsque on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc, c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre, on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir voilà, atteindre leurs objectifs clandestins. Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des comment dire des stations de radio qui oui. qui arrêtent d'être émises. Bien sûr, et ça va continuer tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité. C'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste, et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est... Comment je vais dire? On la contient. Parce que, n'oubliez pas quelque chose... À un moment donné, certes, il y a un ascendant terrible sur l'ennemi. L'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'organisation et d'équipement. On peut dire qu'on a introduit la guerre parce qu'on attritionne l'ennemi. Mais la vraie guerre, le développement, ça va commencer bientôt. Alors, donc, justement, quelle sera cette deuxième phase? La deuxième phase sera intense, surtout au sol. D'accord. Surtout au sol parce qu'il va falloir mettre pied dans le sanctuaire. Il va falloir déloger dans toutes les forêts où il se trouve et assurer maintenant une sécurité à partir d'une certaine ligne pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, comme je dis, qui avaient été, en fait, occupés ou une zone sous contrôle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette zone au Burkina où l'armée ne peut pas se rendre. On va partir. Peu importe, il n'y a pas cette zone où on ne peut pas se rendre. Mais il s'agit de les neutraliser dans leur sanctuaire. Ceux qui pourront fuir, quitter le territoire, de mettre un dispositif de surveillance pour les empêcher de pouvoir infiltrer notre territoire. Alors après, il y a ce problème de porosité entre les frontières de vos pays voisins. Et j'imagine que ces groupes terroristes jouent sur ça, se réfugier
dans un pays voisin, le temps de, je sais pas, de se renforcer et revenir plus tard. Comment régler ce problème-là avec peut-être justement les autorités des pays voisins? Il faut qu'on soit audacieux. Voilà, c'est une guerre. Peut-être que s'il n'y avait pas de mains extérieures, on avait carrément baissé la température. Mais comme il y a des mains extérieures, il faut qu'on soit audacieux. Quand je regarde, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, hein, dans le conflit actuellement russo-ukrainien, il faut pouvoir faire des infrastructures qui puissent empêcher l'ennemi d'être mobile, de pouvoir traverser nos frontières. C'est des mesures physiques. Par Ça exemple. Peut être des mesures passives. Hein. Par exemple, vous avez, quand vous regardez la ligne de front actuellement Russie-Ukraine, il y a des grosses fortifications, des tranchées, des dents de dragon, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques qu'on peut mettre. Et au niveau des frontières. Bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont construit des murs anti. S'il le faut, on le fera. Mmh. Et aussi, associé à cela, beaucoup d'autres moyens passifs. Mais toujours est-il qu'il faut empêcher, coûte que coûte, voilà, l'ennemi de pouvoir faire ce jeu. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien. Parce que, on interopère. Il y a une communication. Oui, une très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Avec le Niger aussi, on a connu des difficultés, il faut le dire. Mais on espère que ça sera résolu. Surtout en ce moment, oui. Oui, actuellement, avec la situation qui prévaut, tout est un peu flou. On espère pouvoir reprendre rapidement les opérations là-bas parce qu'on a aussi une grande frontière. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Mm-hmm. Oui. Alors, vous avez parlé de la reconstruction de votre armée. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en équipement aujourd'hui? Bien sûr, on a des besoins spécifiques parce qu'il faut la moderniser, l'armée. Ça ne peut pas rester... La guerre doit nous réveiller, en fait. Alors, on ne doit pas prendre ça pour s'apitoyer sur nous-mêmes. On doit prendre ça comme une mesure qui doit nous booster. Mmh. Voilà. Donc, quand on regarde l'intensité, on apprend de nos échecs parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne. Et lorsqu'on perd, il faut faire rapidement un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que l'ennemi a utilisé? Ainsi de suite. Mais il faut s'équiper. Et je pense que c'est de ça qu'on discute avec la partie russe. Alors, justement, vous avez émis le souhait de diversifier vos partenariats militaires. Aujourd'hui, quels sont-ils? Ces partenaires militaires avec qui? Oui, nous avons de nouveaux partenaires qu'on salue en tout cas au passage. On en a beaucoup. La Fédération de Russie, c'est un très bon partenaire. Mm-hmm. La Turquie, également, c'est un très bon partenaire. La Chine, voilà. La dernière fois, je disais, ils nous ont même fait des dons. Voilà. L'Iran, la Corée du Nord, on a beaucoup de partenaires. D'accord. Voilà, qui nous appuient, qui nous donnent, en termes d'équipement, souvent des choses très intéressantes. Et on espère pouvoir améliorer ce partenariat-là. Par exemple, est-ce que la composante aérienne est importante pour vous? Très importante. D'ailleurs, c'est actuellement l'un des paramètres très importants pour nous parce que ce soit la surveillance, que ce soit l'attaque, le combat, voilà, la reconnaissance. La reconnaissance, voilà. C'est très important pour nous. Et on maximise quand même sur ça. Et de quoi disposez-vous à l'heure actuelle? Vous estimez que vos besoins sont remplis? Je vous ai dit qu'on va moderniser l'armée, on peut pas vous dire ce qu'on a, mm-hmm. mais on prendra toujours plus. Parce qu'il faut se préparer à toute éventualité. Nous ne savons pas ce que l'ennemi aussi pourrait avoir. Alors, des élections sont prévues pour l'année 2024, vous êtes président de la transition. La situation... Vous avez bon espoir qu'elle puisse se stabiliser pour pouvoir maintenir ces élections à temps? Nous avons souhaité finir le plus vite. Malheureusement, on ne nous a pas facilité la tâche, il faut le reconnaître. Voilà, et comme je vous dis, on sent qu'il y a des mains extérieures qui arment l'ennemi, qui l'équipent de plus en plus. Voilà, donc notre espace est constamment violé, ça on ne cesse de le dire. On ne sait pas pourquoi des avions rentrent et atterrissent, mais tout porte à croire que c'est une livraison logistique. Mmh. Ça doit s'arrêter parce qu'on va passer à un autre camp. Et plus ceux-là qui demandent les élections compliquent la tâche, la guerre sera longue. Mmh. Si on veut que la guerre s'arrête, il faut que voilà, les gens arrêtent ce jeu, en fait. Donc, ça dépend d'eux. Donc, c'est
d'abord rétablir La la sécurité sécurité. d'abord. Parce qu'il faut qu'on quitte ce concept de d'élection où ça se passe juste à la capitale, non. Tout le monde est burkinabé au même titre. Il faut que les gens arrivent à aller dans tous les villages, Sur l'ensemble du territoire. sur l'ensemble du territoire, passer le message de leur programme, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les Burkinabés, et que les Burkinabés puissent choisir qui ils vont voter. Sinon, si ça se limite à un groupuscule, quand vous prenez les statistiques des élections passées, non, c'est déplorable. Sur 24 millions de personnes, si on se retrouve avec 3 millions qui votent, je pense pas que ce sont des élections. La masse populaire se retrouve à souffrir seulement parce que, voilà, c'est pas représentatif. Et à l'heure actuelle, vous estimez avoir le contrôle sur quel pourcentage du territoire burkinabé? Bon, en termes de pourcentage, je n'aime pas parler en termes de pourcentage parce que si on va parler de pourcentage, on peut s'élever aujourd'hui sur des terrains que des gens pensent que c'est rouge. On part s'installer et puis y a rien. Donc, je vous disais qu'il y a cette partie du Burkina où on ne peut pas s'installer. D'accord. Voilà. Mais nous ne souhaitons pas réinstaller des populations dans certaines zones pour ne pas, voilà, c'est une guerre, c'est une guérilla pour que les gens n'infiltrent pas et viennent de causer des pertes. Parce que la menace est mouvante, justement. Très mouvante, c'est une guérilla, donc voilà pourquoi. Il y a des villages libérés, mais on les réinstalle pas d'abord, on dit de patienter. Mais beaucoup d'autres aussi sont réinstallés parce qu'on est concentré sur une zone pour finir un travail avant d'aller ailleurs, même si on cherche à nous disperser. D'accord. Voilà. Et d'où aussi l'importance des infrastructures civiles, comme les routes, vous en Bien parliez sûr. tout à l'heure, pour pouvoir avoir ces déplacements, alors à la fois des Salut. militaires, mais aussi des civils, justement, qui puissent se déplacer facilement pour éviter ces attaques terroristes. Bien sûr, bien sûr. C'est très important, les routes. On prend ça, c'est la guerre, l'infrastructure routière et puis le développement, voilà. Surtout Là-bas, pour un pays c'est... enclavé comme le vôtre. Vous Bien avez sûr. besoin de route. Quels sont les axes les plus importants de votre pays? Il y a plusieurs axes importants. En tout cas, toutes les routes nationales, on aurait souhaité que tout soit bitumé. Et ça va... Nous pensons que si on arrive à bitumer le maximum de routes, ça va diminuer un peu l'effet du tourisme. Parce que j'ai dit, il y a des zones qui se sont retrouvées enclavées. Ils produisent, mais ils n'ont aucune capacité de transporter vers la Voilà, de par capitale. le manque d'infrastructures routières. Exactement. Et puis, ils se sont frustrés, ils se sont révoltés, et puis ils sont... Donc, on espère pouvoir faire ces routes. Même si aujourd'hui, le terrorisme nous empêche de pouvoir faire ces routes. Mais on va forcer, on va le faire. Ça va les bénéficier tous. Peut-être certains vont déposer les armes et reprendre les activités. Voilà, c'est très important. J'aimerais évoquer un nouveau sujet avec vous. Vous avez reçu récemment à Ouagadougou une délégation des BRICS. Alors on en parle beaucoup en ce moment. Que peuvent concrètement apporter ce groupe de pays des BRICS au Burkina Faso? Exactement, on les a reçus, on les a même croisés encore ici. Il y a beaucoup de choses en perspective avec le BRICS. Le groupe des BRICS, c'est beaucoup d'investisseurs. Donc, d'un certain nombre de pays. C'est pas uniquement les 5 pays qui composent le BRICS, parce qu'il y a d'autres pays qui ont adhéré, même si le sigle n'est pas dans le BRICS. Ce sont des investisseurs et qui viennent, on discute de certains domaines clés et on est avancé sur beaucoup de domaines, que ce soit la santé, l'industrie, les mines, l'agroalimentaire, beaucoup de sujets, on en discute, et même les infrastructures routières, puisqu'il y en a, D'accord. il y a des investisseurs qui sont prêts à Alors investir concrètement, aussi. c'est ça, c'est des investisseurs de ces pays ou des pays partenaires des BRICS qui proposent d'investir dans votre pays. Bien sûr, puisque nous, on définit les priorités. C'est ça aussi avec les BRICS. On définit nos priorités et ils envoient les partenaires nécessaires qui veulent investir dans ce domaine-là. Dans le cadre que vous avez défini. Bien sûr, dans le cadre qu'on a défini, nous sommes formels. Il n'y a plus question des institutions qui nous prêtent l'argent ou qui viennent investir et nous, de sorte que nous restons toujours dans notre pauvreté. Nous ne sommes pas, c'est nous qui définissons ce dont nous avons besoin. Vous le faites selon les conditions qu'on aurait discuté arrêter et que ce soit profitable à nos peuples. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces priorités-là, justement? Je vous ai donné quelques domaines. Par exemple, les infrastructures routières, c'est très important pour nous. Donc ça, c'est vraiment tout en haut de la liste. Bien sûr, ça, c'est très important. L'agroalimentaire, parce que il faut qu'on arrive à produire et transformer ce que nous voulons consommer. Ça, c'est très important pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, j'ai critiqué hier par rapport à ça. Il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et ce sont des questions très clés. Et il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'industrialisation, beaucoup de choses. Voilà. Justement, sur le thème de la sécurité alimentaire, Vladimir Poutine, lors de la première session plénière
de ce sommet Russie-Afrique, à parler de transfert de technologie. C'est des choses dont les pays africains sont demandeurs pour pouvoir développer votre propre secteur agricole pour que, à terme, vous soyez autosuffisant et même, d'après le président russe, que vous puissiez devenir exportateur. Alors, on en est encore loin, bien sûr, mais voilà, la Russie se propose d'accompagner les pays africains sur cette route-là. On n'est pas loin. Ça dépend de nous. On en a discuté tout à l'heure parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et le président Poutine a été assez clair. Ils produisent beaucoup de machines agricoles ici. Donc, j'ai dit, c'est bien. Les céréales qu'on nous donne, c'est très bien, mais nous, nous voulons produire. Et il dit, ça tombe bien, il y a beaucoup de, voilà, de, d'usines qui fabriquent des équipements agricoles. Les intrants aussi, on en fabrique ici. Et je l'ai même signifié, nous aussi, on a une usine d'engrais qu'on a mis en marche et on veut aussi faire une exploitation de phosphate chez nous pour produire l'engrais. Donc, on veut devenir le grand producteur et pouvoir exporter parce que on a la chance que presque tout pousse chez nous. Même le blé, en fait, ça marche bien chez nous. Mais, malheureusement, nos bâches ne sont pas... La structure qui va autour. Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs une déclaration que vous avez faite lors de ce sommet. C'est voilà, alors je vous cite. Pourquoi continuer à recevoir de l'aide humanitaire si nous, on a ce potentiel de pouvoir nous-mêmes nous nourrir, être autosuffisants? Voilà, c'est ça la... Bien sûr. Moi, ça, la finalité. La finalité, c'est ça. On ne veut pas, comme dirait le capitaine, le président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. Nous, c'est bien aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent, voilà, des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés les chancelleries, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus, parce qu'on veut produire, on ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre population... Parce que c'est une forme de dépendance, au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça, en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat, la mendicité chronique. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail, il faut qu'on produise, il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat, gagnant-gagnant, c'est vraiment maintenant la... ce que souhaitent les pays africains. Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous, les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il n'a pas, il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Parce que sa femme est capable de faire du n'importe quoi. Il n'y a pas de dignité tant que vous n'arrivez pas à vous nourrir. Mmh. Et donc, si on dit souveraineté, il faut qu'on lutte pour qu'on soit autosuffisant. Donc, c'est le message que je voulais passer. Certes, on va nous donner, mais il faut qu'on soit autosuffisant. Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat gagnant-gagnant. On en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non. Nous, nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide, tout ça, c'est des produits oléagineux. Mais nous ne voulons plus les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus, on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Sinon, si on prend tout en brut, on exporte. Regardez notre noix de qualité, comment c'est banalisé. C'est une ressource naturelle. Mais on exporte toutes les noix. Les autres transforment. Même le chocolat, de ça revient très cher. Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. Très bien. Une question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui au Burkina Faso pour que son peuple soit enfin prospère? C'est qu'on peut souhaiter au Burkina. Je pense que pour tout le monde entier, il faut qu'on souhaite la paix d'abord. Que les peuples reviennent vivre en paix. Et on souhaite aussi que les gens ne s'ingèrent pas dans nos affaires. Parce que nous avons des capacités. Nous ne sommes pas à la traînée comme certains l'imaginent. On est capable de marcher seul. On n'a pas besoin qu'on nous tienne forcément la main. Si on demande de l'aide, aide-moi à franchir, oui. Mais il faut pas qu'on nous prenne chaque fois comme des enfants qui n'arrivent pas à marcher. Il faut leur traîner la main pour leur montrer le chemin. On ne veut pas que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Donc, c'est souhaiter la paix pour tous les peuples du monde
et aussi souhaiter la non-ingérence, souhaiter que le Burkina soit vraiment souverain. Monsieur Traoré, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Afrique Média, le monde, c'est nous.